J'arrête jusqu'à quand tiens, il n'y a plus de. Il n'y a plus de. Il n'y a plus de place, tiens. Il y en a des choses à dire, t'as vu mon frère. Ben, je suis congelé à Sarabé, je suis froid, je suis fatigué, 2h40. Ben, je crois pas la carrière. Voilà, j'ai fumé 3 pétards aujourd'hui, t'as vu? استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. Ça faisait longtemps celle-là. Watch Watch Reggae. Play some music. Sound good to me. I can't refuse it. Why do we got to be? We love dancing. We love dancing. De toute façon, je l'ai dit, la plupart de tout ce que j'ai écrit là, que j'ai publié, tu vois, c'est mon testament, cousin. Alors, il accepte. Amine. Je sais pas si elle accepte, mon frère. J'ai vu, c'est bon, bâton, mais que t'as l'air, mon bénir. Oh lolo, une malienne, je crois, une sénégalaise. Oh lolo, elle c'est nord. Une cellule, en plus, elle avait une. Elle t'avait le temps blanc, tu vois. Elle était grande, athlétique, tu vois, tu sais. Une pompe atomique, mon frère. Oh lolo. You better plan a job 100. Putain, avec qui on va se marier, putain. Regarde mon père, depuis qu'il a divorcé ma mère en 99. Il a parfait sa vie.
Quand même, il en a eu marre. Hein. Pendant 10 ans, je vais courir après ce papa revient. T'es papa. Je savais pas encore ma mère et tout. C'est ma mère, c'est tout pour moi, Sabéo. Voilà, Mektebl, j'allais partir à Carcassonne, je dis à pas, je vais à Carcassonne. Tu sais, quand ça devient sérieux, je le dis direct à mon père, t'as vu. On avait parlé Marcole et tout, en plus c'est elle qui m'a contacté, t'as vu, tu sais. On va rester humble, t'as vu. On voit les photos, une pâtissière, tout ça, c'est la classe, tu sais. C'est bon aussi, tu sais, bon, elle a 2 enfants et tout, je prends, qu'est-ce qu'il y a, oh. Je suis pas une fille, moi. Mais voilà, tu veux des enfants? Elle m'a dit, ouais. Je plonge direct, comme j'ai fait avec l'autre, avec Jasmine, tu sais, à Saint-Gilles-des-Vosges, t'as vu? Je vous dirais que, avec des menottes bien fouées, puis. 26 ans, mon cas, elle a fait son hajj à 26 ans, purée. Je lui ai dit, ouais, 26 ans, mon cas, et moi, 26 ans, khabta, t'as vu? Qu'est-ce qu'il me trouve de beau? Qassim Billah, c'est un honneur et tout, elle m'a dit. On s'est vu 2 fois, t'as vu, je suis monté là-bas. La deuxième fois, elle m'a vu un peu bizarre, t'as vu, tu sais. La troisième fois, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, j'ai envie de venir, tu sais. Bon, c'est même d'accord, tu sais. Elle m'a dit, ouais, à ma famille, ou je sais pas quoi, tu sais. Après, on s'est plus revu. Elle m'a zappé, quoi, tu vois. Carrie, la Miss Carrie, Carcassonne. Pour qui tu m'as pris, oh? Je t'ai écrit pour de vrai, moi, que j'allais me marier avec toi, que tu. Tu voulais de moi pour époux et tout, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que là-bas on nous sépare. En islam, il n'y a pas pour le meilleur et pour le pire. Si le mari il vient déglinguer, il défend sa femme et tout, il s'occupe pas de la divorce, autorisé, halal pour toi le divorce. Tu le divorces, ce mari de pacotier, quoi, tu vois. Pareil pour. En islam, il n'y a pas pour le pire, tu sais. Pour le pire, la maladie, quoi, tu vois, tu sais. C'est simple, t'as 2 cas. Dans les 2 cas, c'est le guerrier ou la guerrière. Le guerrier et sa femme, elle tombe malade, tu sais, genre cancer, genre machin, genre elle devient. Il va la porter accident jusqu'à elle crève. Jusqu'à où lui crève, tu vois ce que je veux dire? Crève-moi, c'est Allah. Et t'as l'autre cas, le bâtard ou la pute, tu sais, elle va se tailler, tu vois. Elle va l'abandonner, tu vois. C'est ce que je veux dire? Khalat. T'en niques. Oh, cette vie, ça n'a rien du tout, c'est. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Oh Allah, donne-nous Rachid. Oh là 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 là, Rachid les ferrailleurs, c'est des bâtards, c'est. Allah rahmak Rachid. Ya Rabbi tarham Rachid fat sa'a, amin. Quand je pense à Rachid, je pense direct à Nabil, à Karim, Karim Frih. Nabil, Nabil Wadi, Allah rahmo. C'est Nabil, c'est. Allah rahmak Nabil. Regarde, Nabil, Nabil, comme j'ai chialé, Nabil, wallah. Elle m'a déglingué sa mort, Nabil, wallah. Moi, je l'avais vu il n'y a pas longtemps, tu sais, pas longtemps, je l'ai vu, j'étais avec Farhan, je dis, oh. Je lui dis, ça y est, tu sais, même je l'ai filmé, cette vidéo, là, tu sais. Et après, je l'ai revu 1 fois, là, genre, je reste, tu sais. Marché par là, c'est bon, ça fait la piste, tout, tu sais. Tu fais quoi? Il était avec le. J'étais ok, je dois y aller, on se fera plus. Il est retourné au Habs, il est mort au Habs. Zama, il s'est suicidé au Habs, moi, c'est le fils de pute. Moi, j'y crois pas. Impossible, Nabil, il se suicide. Impossible, Nabil, impossible. Va savoir ce qu'ils ont fait comme avec, comme avec le pote Anassim, là, qui est mort aussi, il y a longtemps de ça, tu sais. En prison aussi, pareil. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben là, je fabrique des étiquettes pour les cahiers et les crayons des Voilà. enfants. Marquer ses affaires, c'est important, surtout en ce moment. Mais qu'est-ce Karim. que c'est long? Voilà. Comme je rigolais avec lui. Oh lolo, lolo, c'est barre de rire. Tu trouveras Il est parti, là. Moi, il est parti à la bête, t'as vu. Et elles sont autocollantes pour personnaliser rapidement tout le matériel. Rachid a sahbé. Tu sais quoi? Il en existe même pour les vêtements. Oh, génial. Passe-moi leur pull et leur Je l'ai déjà dit, je crois, dans une vidéo, ça. Le discount est dans notre net. Obligé, j'en ai parlé. Détail des formats et tarifs disponibles en magasin. Rachid les faire ailleurs et tout. La femme qui part, elle avait une ses barbes, elle a blanchi d'un coup sa barbe à sa vie. Wallah, c'est vrai, il était malade, tu sais. Avant qu'il soit malade, tu sais. 1 an ou 2 ans avant.
Pareil, en mode de ces belles nuitées, tu sais. Matin, regarde, ça, pas tu sais. Ouais, tu devras savoureuse après les cafés, quoi. Croissant, tout, machin. Parler, tout ça. Lui, Rachid, il connaissait le Coran français, tu sais. À la virgule près, tu sais, tu vois. Avec les mots scientifiques du Coran, tu sais. De la France, tu sais. Incroyable, mais vrai. Ouais, ta mère, la pute, sa fils de pute. Pas touché à mon Rachid, Zabi. Narhamo. Je dis à Rachid, je dis, je veux quoi comme. T'as besoin de quoi t'as besoin de quelque chose à la maison qu'est-ce que tu veux? Après, tu sais, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu voudrais, tu sais? Moi, il s'est parlé. Je réponds, Rachid. Je te pose une question. Tu sais que. Narhamo. Voilà, avec sa voix, et tout, avec sa voix spéciale, tu sais. M'a dit, moi, Yacine, je ne veux aucun. Comment il m'a dit? Je ne veux aucun bien de cette dunya. Aucun plaisir, aucun. Je sais plus comment il m'a dit, tu sais. Je veux aucun plaisir. Toutes les belles choses. Je ne veux, toutes les belles choses de cette vie-là, j'en veux pas. Un truc comme ça, il m'a dit. Allah Akbar, oh. Wallah, j'ai fait caca dans ma culotte quand tu m'as dit ça, oh. Je dis, oh, Rachid, arrête tes conneries, putain, oh. Wallah, comme ça, je lui dis. J'arrête, oh. Déjà, t'en as pas ma sama, hein. Tu sais, déjà, le mesquin, tu vois, tu sais, il est dur, quoi, tu sais. Regarde la foi, putain. Ça, c'est le degré, tu sais. Je suis pas ce niveau-là, moi, ça veut dire. Le degré des ascètes, quoi, tu vois, tu sais. Oh, lolo. Je regarde comment j'ai marchandé, tu sais. Comment je marchande des fois avec Rabbi Subhanahu. J'ai dit, oh Rachid, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il répétait plus de 70 fois par jour. Allahumma atina fi dunya hasana wa fi akhirah hasana wa qina adhab an-nar. Oh Allah, donne-nous une bonne part ici-bas, une bonne part dans l'au-delà et épargne-nous du châtiment de l'enfer. Je préfère fonctionner avec cette dura, Rachid. Il m'a dit, ouais, la dernière fois que je l'ai vu, il m'avait engueulé et tout. Il m'avait trouvé dans la rue, tu sais, et puis, je sais plus, je devais faire quoi, tu sais. Je crois que j'étais un peu déchaîné. Il m'a dit, il m'a parlé de ma fille, il m'a dit, t'as le fille, qu'elle a de le faire d'aussi. Là, Rachid Ouskine. Il m'a dit, t'as pensé à ta fille, tout ça, tu sais. Maintenant, j'ai pas le temps, tout ça, puis après, il m'a dégagé, tu vois, tu sais. Ils ont y aller, là, tu sais. Il m'a dit, pense à ta fille, Sabi. Rachid, que je veux pas le faire ailleurs, là, tu sais. Je connaissais pas, moi, je l'ai connu quand j'étais au bloc militaire, tu sais. Père à son âme, l'arhmo. L'arhmo. Avec la bande de Qassem et puis de Jamel, ça, on se voyait beaucoup à la mosquée Kouba et tout. Wallah, je l'ai là, vas-y, wallah. Zahma, Nabil, il s'est pendu en prison, mon sale fils de pute. Nabil que je connais, il va se suicider, mon sale fils de pute. Après toutes les années, Habs qu'il a passé, il va. Hein? Je l'avais vu, même pas 2 mois, 3 mois. Il avait la patate, il était content. Eh, bon, là, ce qui s'est passé. Moi, je veux pas y croire, c'est tout. Laissez-moi tranquille. Nabil l'a dit, impossible, il se suicide, lui. Ça va pas la tête, oh. Comme l'autre, là, comme il s'appelait, là. Le patanassim, purée. Le khal, un peu khal, là. Comment il s'appelait? Il s'appelait Mohamed, je crois, lui aussi. Mohamed, nanana. Je me rappelle la dernière fois que je l'ai vu. Il était aux résidences, tout ça, tu sais, au ED, là. Il avait un gros joint dans les mains, tout ça, tu sais. Comment il s'appelait, purée? Le patanassim, putain. Ils avaient peut-être gardé sa famille, là. Non, c'est pas Mohamed Abed, comment il s'appelait? Pareil, lui, j'y crois pas aussi. Je suis sûr qu'il ne s'est pas suicidé, lui. Impossible, lui aussi, suicider. Ça ne rend pas la tête. Regarde, moi-même, j'ai voulu me suicider pour la peine. Pourquoi j'ai vu le reportage, tu sais. J'étais en plein dans le nick, dans le divorce, la maison pourrie et tout. Quand j'ai vu le reportage, des années après, parce que. Là, j'ai eu pulsion, j'ai ouvert la porte, il y avait l'échafaudage. Et je me suis. Tu sais, je me suis. Comme ça, là, ici, là, à cette place-là. Je me suis. Réflexe, toi, tu sais, je me suis pété contre tout ce qu'il y avait là, tu sais, derrière, là, ici, là, t'as vu? Il y avait plein de trucs ici derrière, tu sais, je me suis pété le dos, tout ça, tu sais. Quand j'ai vu le reportage, là.
quand Monsieur Younes Watik, le porteur de joie, est parti apporter la joie en Palestine, t'as vu? Par Allah, j'ai failli me jeter par la fenêtre à Sarbi. Va savoir ce qui s'est passé, tu crois quoi? La prison, c'est un monde de fils de pute, la prison, cousin. Voilà, après celui qui est mort, comme il m'a dit mon père, celui qui est mort, il est mort. Allah, moi, tu peux rien faire pour lui, mon frère. À part des prières, quoi, des invocations, tu vois. C'est simple, t'as été une belle personne ici-bas. T'as été une belle personne ici-bas, dans tous les sens du terme. Tu seras bien heureux. Tu seras bien heureux. Fais akhira. T'as été une sale personne, dans tous les sens du terme. T'es dans le nid comme enfer, c'est tout. Hein. C'est tout. Putain de merde, je l'ai mal roulé celle-là. Maman, gentleman. Qui m'anime à aller, elle déchire celle-là. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu celle-là. Imani Marley, la bonne conversion. Conversation. 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 Déchire sa mère. Qu'Allah nous pardonne et nous guide, amin. Qu'Allah nous pardonne et nous guide, amin. Qu'Allah nous pardonne et nous guide, amin. Amin, amin, amin. Arbi subhanak, apporte à chacun la victoire dans ses épreuves, amin. Amin. À chacun et chacune la victoire dans leurs épreuves, amin. Arbi subhanak, protège nos enfants, amin. Nos fistons, nos filles. Protège-les de ce monde de fou là. Ya Rabbi, amin. Ya Rabbi, donne-nous la victoire, amin. Donne-nous la victoire finale, amin. C'est nous les élus, mais faut qu'on devienne comme on était censé l'être, t'as vu, tu sais, parce que maman c'est parti en couille, tu sais, dans la lignée, tu sais. Un homme avec de l'honneur, un homme avec une fierté, vaut mille hommes à Sahbi. Donne-moi tout. Je comprends, Rachid, tu sais. Mais je les veux. Fabinilla, t'as vu. Donne-moi tout, Lamborghini, donne-moi tout, tout, donne-moi tout. Donne-moi tout comme il a dit Rachid, c'est. Je l'ai, tu sais, hein. Toujours je vais pleurer, tu sais. Je vais pleurer toujours, je serai toujours triste, t'sais. Puis en plus, c'est tout ce matériel-là, je l'aurais pas dans mon cœur, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Maman, je veux t'aider. Fais-moi entrer dans le business.
entrer dans le jeu. Tu y es. Trois heures du mat. Je ne sais même pas quelle heure je suis rentré. He's a skanking. Comment votre brique de lait est recyclée? Tatati, tatata. Qu'est-ce qu'on en a fait? Comment le recycler, putain? Triton déchet, triton. Les pétroliers, les usines pétrochimiques là. En un seul coup, ils ont niqué toute la terre pendant 50 ans, Zabi. Et plus si ça se trouve, tu sais. Ah ouais, nous on tripe pendant qu'ils tarbent toute la planète. Earth Planet là. Tu crois que je suis pas conscient de ce que j'écris, de ce que je publie sur Facebook, tout ça, tu sais? Hein? Tu crois que je suis pas conscient de mes textes là? Croisade Jungle, tout ça. Croisade Jungle, c'est mon testament celui-là. Mon premier testament, c'est celui-là. Même pas, j'avais rien fait. 3 jours ou 4 jours après que j'ai fait publier. Je me suis retrouvé au mi-temps, ça arrive. Ouais, que. Un coup, j'ai pris un gendarme de la douane, Adèle, là, tu sais. Français, tu sais. Ils sont allés dans mon face, ils m'ont sorti les photos, tu sais, j'ai pris en photo parce qu'ils m'ont mis la main et tout, tu sais. Je crois que je suis pas suivi, tu crois. J'avais écrit un texte, tu sais. Ça m'en est une prison, je crois, ou un autre, tu sais. J'ai fiché S, t'as vu. Fiche-moi Z, fiche-moi Zabzabi, fiche-moi Zzo. J'avais écrit ça, tu sais. C'est quel texte ça déjà ça? Je sais plus, je suis fatigué. Ton administration, je m'en suis désemprisé, t'as vu? Voilà, ton administration, je m'en suis désemprisé, Zabi. Par la grâce d'Allah aussi, tu vois, c'est tout par Allah, c'est vraiment. J'étais une valeur ajoutée pour la France. Cette pub de France, moi, Yassine Mraka, Yassine Mbechir, Abou Nawel, j'étais une putain de valeur ajoutée à cette France de fils de pute. Regardez. Action-réaction, tu sais. Comment la France m'a traité. T'as vu? Quand je dis moi, je dis tous les autres moi, tu sais, et les autres mademoiselles, t'as vu? Comment la France m'a traité? Ben, comment je vais maintenant réagir avec cette pute de France, tu sais? Comment tu veux que j'aime mon pays où je suis né? Après tout ce merdier, là, tu sais. Toute cette hagra, toutes ces injustices, tu sais. Comment tu veux que je l'aime, ce pays? Tu crois que je l'aime pas, la France? Tu crois que je l'aime pas, ce pays? Je suis né ici, bordel de merde, putain. Non, c'est un combat de fils de pute de Belfort, ouais. Tu crois que j'aime pas Belfort? Tu crois que j'aime pas les Belfortins, les amis d'enfance, les monuments, la nature, les villes où je suis allé? La France, c'est un très très beau pays, mon frère. Il y a tout, tu peux trouver tout. Méditerranée, Atlantique, pas loin de la Suisse, on est pas loin de la Suisse. La nature, la belle nature en France. Les droits de l'homme, tu sais, soi-disant, tu sais, machin. Mais maintenant, ça part en couille, là. Y'a plus de France là, c'est fini. Tu sais, France des Lumières, France 14-18, tout ça. Maintenant, y'a que des PD, c'est tout. Y'a que des PD au pouvoir. Des homosexuels pour de vrai, qui nous dirigent. Ou des banquiers, ou des tiers. J'ai remarqué un truc là. Je pète les plombs. Dans plein d'administrations, j'ai vu à Belfort là, ils ont mis que des homosexuels, Zabi. Putain merde, oh. Ouais, je suis pas anti-homme, anti-machin, anti-tier. Ça me répugne, quoi, tu sais. Ils me répugnent, ces gens-là, tu sais. J'ai le droit de le dire, quand même, oh. Inconcevable, une femme, c'est trop beau, putain, oh. Comment ils font? Ils sont malades, oh. Ils sont dans mes gobards, c'est bien. Voilà.
On était tous des valeurs ajoutées pour votre pays, bande de fils de pute, là. Je parle à l'État, là, tout ça, là, tu sais. Les hautes instances, là, tu sais. Les coups de téléphonique, tout. Bientôt, ils vont envoyer un drone, c'est comme Ben Laden, là. Ils vont envoyer les djihadistes, tu sais. Mais le killer, tu sais. Qui va merder les putes. Allahu Akbar. Là, c'est tout. 45 balais, tu vois. Ce serait peut-être temps, quand même, t'as vu. Hein? J'ai assez chialé dans ma vie, Zabi, maintenant, à votre tour. Jusqu'à ma mort, c'est tout. Comme j'aime bien. Putain, j'aimerais bien jouer au petit con à coup, tu sais, faire un petit featuring et tout, tu sais. Enfin, elle a dû arrêter maintenant, elle a dû faire son rage et tout. Petit con, genre, fracolier, cousin, oh. C'est une reprise de l'alpha. J'en avais une, de coureur, pour de vrai, c'est Mamoudou, mais c'est une coureur professionnelle, ça, mais oh. Ça va trop bien. Une coureur. Quelle petite là, tu vois, tac, et puis tu fais comme ça, là, tu sais. Voilà, j'en avais une. Brigadier Sabalé. Brigadier Sabalé. Satchigi. Brigadier Sabalé. Trop beau, ça, c'est bon. Oh, bon. T'as déjà vu un fou, il est rentré chez lui, c'est même pas encore changé, tout. 3h07 du matin. Salam. Toujours rien. Putain, quand j'aimerais bien récupérer ma pochette et mon portable. Comment ça se fait que j'ai pas faim, j'ai mangé qu'un chasson pour moi aujourd'hui et où? Ça, je perds un peu de ventre là, Sardé. Ça va, elle a dégonflé un peu, mon ventre. Alhamdulillah. Thank you.
Pom pom, pom pom. À cette reprise là, comme il l'a fait à l'africaine là, la classe cousin. La maille à Sahabi, un petit peu de maille là. Wallah, j'ai pas envie de le vendre le canapé là, mais y a une putain de caisse qui m'attend là. Tiens, Karim, j'ai juré par Allahu Akbar. Ce mois-ci là, je. Allez, Karim en premier. Je me suis assez fait lourd là. Hein. Mon petit Karim. Allez, 200 par 200, tous les mois, Inch'Allah. 550. La boulangerie. Je peux encore gérer avec eux, tu vois. La caisse, il l'a fait 750 €. 750 €, une putain de caisse à Sardé. Un roulement changé, les essuie-glaces, c'est magnifique, tu sais. Il n'y a pas le contrôle aussi, tu vois, mais après le contrôle, je l'ai fait, je m'arrange, t'as vu. Un bon petit break. Je lui ai dit deux fois, je pas moyen, tu vois, tu sais. Je comprends aussi, tu vois. Je suis 900, t'as vu. J'ai un moins et quelques, là. J'ai un moins... J'ai déjà moins 200, ça fait oh là 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 là, ouais, je vais le mettre en vente, hein, puis c'est tout. Hein. Canapé à 3000 boules, j'étais cherché à Genève à Sardé. Ma femme, elle était médecin, la femme, elle, docteur à Sardé. Elle m'a donné plein de trucs encore, tu sais. J'étais comme moi, j'étais. C'était un bon coup. Je me rappelle, j'ai loué le camion, Medven. Tu m'as dit. Voilà quoi, le camion, je me rappelle, je crois, j'avais. Oh, je me suis trouvé sans thune du côté de Oyonnax, tout ça là, tu sais. Payage, tout ça là, tu sais, l'essence, j'avais juste assez pour. Chercher un Western Union, tu sais, pour parce que j'avais une petite réserve dans un Western Union, tu sais. Mon père m'avait envoyé de quand j'étais chez ma frangine, tu sais. Ouais, allô. Allez, direct, je suis parti avec ton rousseau, machin. Oh. Comme j'ai galéré ce jour-là, là, le jour où j'ai ramené le canapé blanc, là, puis j'ai commencé à m'endormir sur la route et tout. Oh là, c'est vrai, d'habitude, ça me le fait pas quand je roule, tu sais, je tiens quand même, tu vois. J'étais claqué à ça, claqué, tu sais, claqué. Oh, un calvaire pour rentrer jusqu'à Belfort, c'est après. Rentre à Belfort, encore monte et tout. Jusqu'au cinquième ici, tu sais. Alhamdulillah. Un jour, tu sais, avec ma famille qui est venue du bled, tu vois, tu sais, mon oncle et ma tante de Casablanca, tu vois, ils ont leur fils en Belgique avec ma cousine qui est en Belgique, tu sais. Tu sais, puis mon père, il était au bled, tu vois, tu sais, mon oncle aurait bien voulu voir mon père et tout, tu sais. Bref, il m'a dit, de toute façon, tant mieux, j'étais au bled. Je dis, pourquoi tant mieux pas? Il m'a dit, non, c'est pas pour... Tant mieux, parce que la maison, les meubles, tout ça, tu sais, pour mon cousin à l'époque et tout, tu sais. Enfin, il était là encore, mon cousin. Ah, il était pas venu encore proche, je sais plus. Tu sais, la maison était pourrie, quoi, tu vois, tu sais. Il avait honte, tu vois, tu sais. Il a eu, il m'a dit, il serait venu, il m'aurait vu comme ça, tu sais, la famille, tu sais, dans un appart comme ça, tu sais. Tu sais ce que je veux dire? Voilà. J'étais dégoûté de ma... je voulais m'enterrer vivant ce jour-là quand il m'a dit ça. Il m'a dit, tu sais, comme il est gentil, mon père et tout, tu sais. T'as vu le dard qui frappe tout ça, tu sais. Tant mieux, tu vois, tu sais. Tant mieux, ils sont pas venus, tu vois. T'as vu? Quand il m'a dit ça, quoi. Je voulais me suicider, je te jure. Regarde maintenant la maison, comme petit à petit, tu vois, tu sais. Alhamdoulilah. Il manque juste une femme, t'as vu?
Là, je lui mets une table, je lui fais une de ses chambres. Il y a tout dans la chambre. Quand je vais s'appeler cette petite table. Il y a un site derrière, il y a un gros matelas, il y a un gros lit là, à 2000 boules et demi. Grand télé, passe-moi là juste devant, là, tu sais. J'ai tout vidé la mort, tout son bordel, tout, j'ai tout. Oh là là là, t'aurais vu un sable l'appartement, oh, quand j'ai dit mon fils. Oh. Mon sbel, plus son sbel à lui, et plus le building de mon cou. Oh là 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 là. Bon. Sur ce, messieurs, dames. Chute ou pas chute? Tais-toi. Comment je vais faire? Pause.